ont presque 40 ans de pouvoir. La République du Congo a exporté des millions de barils de pétrole pour le bonheur d'un homme et de sa famille. Pointe-Noire, capitale pétrolière de la République du Congo, peine dans une insalubrité sans précédent. Des milliards ont été injectés pour moderniser la ville. Malheureusement, Jean-Jacques Bouya, qui n'est autre que le neveu du dictateur Denis Sassou Nguesso, a préféré voler et cacher ce pactole pétrolier dans les paradis fiscaux. Regardez l'état des routes de la capitale pétrolière du Congo, Pointe-Noire. On se croirait dans un gros bidonville, en Somalie. Mais on a déjà dit que les gars, vous voyez par vous-même comment. Vous devez moi m'anima et puis épouse ma tête. Comment ma fille en fait a des problèmes pour passer par ici. Vous allez voir par vous-même. Là nous sommes à Saint-François, Croisement Saint-François là. Vous voyez par vous-même comment la 607 a du mal à passer par ici. Hein? C'est à Pointe-Noire, hein? Nous sommes à Saint-François. La 607 a du mal à passer par ici. Il y a même un taxi qui est bloqué là. Vous pouvez voir. Je vois un gros caillou, un taxi qui est bloqué là. C'est triste. Mais bon, Dieu merci que la 607 a pu traverser le danger. En plein Saint-François à Pointe-Noire. Il y a encore quelques jours, l'empereur tribaliste Moshi était venu signer une série de contrats pétroliers et gaziers avec les entreprises étrangères, notamment occidentales. Où va donc l'argent du pétrole congolais? Une question qui intrigue et qui interroge les patriotes au sein de la diaspora congolaise. Le mal du Congo porte un nom, Denis Sassou Nguesso, et ainsi que son système de prédation qui a été mis en place au lendemain de son coup d'état militaire en juin 1997 pour piller les recettes de la vente des ressources naturelles au profit de son clan et de sa famille. Comment peut-on vivre en plein 21e siècle comme des animaux dans la jungle? Une réflexion collective s'impose. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Et merci de partager la vidéo. Au revoir. Mais on a déjà dit que les gars, vous voyez par vous-même comment. Vous devez moi m'anima et puis épouse ma tête. Comment ma fille en fait a des problèmes pour passer par ici. Vous allez voir par vous-même. Là nous sommes à Saint-François, Croisement Saint-François là. Vous voyez par vous-même comment la 607 a du mal à passer par ici. Hein? C'est à Pointe-Noire, hein? Nous sommes à Saint-François. La 607 a du mal à passer par ici. Il y a même un taxi qui est bloqué là. Vous pouvez voir. Je vois un gros caillou, un taxi qui est bloqué là. C'est triste. Mais bon, Dieu merci que la 607 a pu traverser le danger. En plein Saint-François, Pointe-Noire.